Привет et добро пожаловать. En ce dimanche, nous allons réagir sur les deux meilleures vidéos de la semaine dernière. Et la première de ces vidéos, c'est ma chouchoute Diana Onkoudinova. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite. On se retrouve tout de suite après le générique. Comme je vous le disais, on se dirige sur un titre de Diana Ankoudinova. Donc rattrapez-moi si je prononce mal, c'est Golosom Dvain. Ça veut dire dans ta voix, je crois. Rattrapez-moi aussi là. Si je dis encore une bêtise, ce qui arriverait peut-être, attention, hein, soyez gentils. J'ai vu que les deux vidéos d'aujourd'hui, enfin d'hier, pardon. Que les deux vidéos d'hier, une des deux marche bien, mais vous allez toujours pas voir Souchen. Allez voir Chouchen, vous allez voir. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui vont le voir. Hein. Ah là là, ça me déçoit un peu, mais c'est pas très grave. Ce coup-ci, on va aller sur Diana. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Diana. Allez, en haut à droite, là-haut, il y a une petite fiche avec la playlist des titres sur la chaîne. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas, allez-y, vous allez voir, ça cartonne. Je vois beaucoup encore qui me demandent, ah, tu devrais faire celle-là, mais je l'ai déjà faite, donc je redonne le lien, mais n'hésitez pas. Je ne sais pas. Alors, ceux qui s'y connaissent bien en YouTube, dites-moi comment je pourrais organiser les playlists, parce qu'elles sont organisées par artiste. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux. Hein. Donc n'hésitez pas, si c'est bloqué, parce que j'ai l'impression, enfin, que quand c'est KTB, je crois. Tout est bloqué, faut même pas chercher. Donc là, je ne sais pas. C'est sur une scène, donc c'est en live, dans une petite scène où elle a l'habitude de faire, je pense. Donc n'hésitez pas dans le lien, dans la description, le premier lien de la description, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et le reste, n'hésitez pas. Même si les Russes, vous pouvez pas participer à la chaîne, c'est dommage parce que si vous participiez à la chaîne, elle se développerait de ouf. Le micro, je change, la caméra, je change, je m'assieds sur une vraie chaise tranquille. Et voilà. Donc, on va prendre du plaisir à écouter Diana. J'avais le choix. J'avais le choix entre deux titres. Mais je me suis rendu compte qu'en traduisant le titre que je voulais faire, c'est le titre d'Elena Vaenga et Elena Vaenga et Ludmila Sokolova. Donc c'est un peu ballot. J'aurais dû le faire en duel. Mais si je l'avais fait en duel, on aurait eu encore du Diana. Ce serait dommage. Non, franchement, non. C'est pour ça que j'ai préféré le lourd le dimanche. Celle-là, on m'a dit, c'est du lourd. C'est du lourd parce que c'est du Diana. Et quand c'est du Diana, c'est forcément du lourd. Le mec est lourd. Par contre, si vous avez des trucs, n'hésitez pas, si vous avez des trucs sur Diana, machin, vous savez, je sais pas si on peut en avoir sur, vous savez, des étiquettes Diana, vous savez, un peu les trucs pub de tous les chanteurs russes. Si vous avez ça, dites-moi où je peux trouver ça, ou si vous en avez vous, n'hésitez pas, envoyez-le moi, ou je vous envoie un PayPal, vous m'envoyez ça. Franchement, ça serait cool. Ça serait cool. Donc, on se retrouve tout de suite avec Diana Ankoudinova et ce titre dans ta voix. Je ne vais pas le redire en russe parce que j'ai tellement parlé que je m'en rappelle plus. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ouais, mais là, celui-là, je l'ai appris 2 secondes avant le titre. Je l'ai lu, tac, et je maîtrise pas du tout le russe encore. Allez, on est parti. Bonne écoute à vous. Mm-hmm.
Я всегда твоя, родина моя, ты здесь, а я. Я всегда твоя, нежно прошепчу. И когда уйду, давно вернусь голосом твоим. Je vais déglinguer le micro. Alors, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce si vous avez aimé. Alors, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je tombe amoureux de cette voix. Elle est juste énorme. Les 20 dernières secondes, les poils, ils ont failli s'arracher de ma peau tellement ils se dressaient. Tellement c'est magnifique. Et je suis désolé. Elle est sublime. Les cheveux comme ça, détachés. C'est une beauté en plus. C'est une beauté slave de ouf. Sérieusement, je suis sur le cul. Merci à elle pour ce bonheur, ce dimanche. J'ai bien choisi une chanson très lourde d'amour pour son pays. En fin de compte, tous les Russes qui s'en vont, un jour ou un autre, l'appel du pays les fera revenir. Parce qu'il y en a qui ont envoyé des messages gentils. Attention à Ekaterina, parce qu'il me semble qu'elle vit en Italie. Il y en a un ou deux qui ont dit « reviens à la maison ». Mais je pense qu'un jour ou l'autre, vous êtes un peu comme un aimant avec le pays. L'aimant, quand il éloignait ça, à un moment, il y a un appel qui fait que, d'où le titre, c'est pas dans ta voix, c'est l'appel de la voix, comme c'était marqué. Donc forcément, à un moment, l'appel ramène les moutons au pays. Attendez, je dis moutons parce que vous savez, c'est comme, vous n'êtes pas des moutons. Hein. C'est nous les moutons, l'Europe, on suit. Ou les bœufs. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire en commentaire. Franchement, je dis plus rien. Je dis plus rien du tout parce que... Hein? J'ai plus les mots. Tellement c'est juste énorme. Voilà. Voilà. C'est clair, non? Alors, vous avez tout compris? Voilà, bon, donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Mais tous ceux, hein. Et voilà, tout le monde. C'est la priorité pour que notre âme, elle ait encore une raison. Hein, parce que si on n'aime personne, notre âme va s'éteindre. Et moi, c'est pas le cas. C'est pas ça. Donc, on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Je vous aime vraiment très fort. À demain. Merci aux plus de 18 500 abonnés qui me suivent. On va y arriver. Je vous jure qu'on va y arriver. Et il y en a qui sont pas prêts. Allez, à demain.